Bon, les intros romancées dont le rythme est plagié sur les vidéos d'Ego, ça va 2 minutes. Aujourd'hui, deuxième épisode de la série L'Aventure V2. Je le rappelle, c'est la série durant laquelle je refais tous les niveaux officiels de Géométrie d'Âge dans l'ordre, mais leur version améliorée, donc plus difficile, créée par Neptune. Bon, le concept est franchement compréhensible par tout le monde, hein, pas la peine d'en parler pendant 8 ans et demi. Deuxième épisode de ma série de vidéos. Moi, je vous conseille de suivre la série jusqu'aux derniers épisodes, parce que plus on va avancer, plus vous allez me voir pleurer du sang. Et bon, tout... viewer de Géométrie d'Âge qui se respecte apprécie voir les joueurs chialer du sang, péter des câbles. Évidemment, on est là pour ça, on est là pour voir les gens souffrir, parce que voir les gens souffrir, c'est drôle. Enfin bref, on n'en est pas encore là. Bienvenue sur Géométrie d'Âge, troisième vidéo, c'est parti. On passe à la suite, troisième remix pack. Oh non, il y en a un qui a été fini. On le refera quand même, de toute façon. Allez, Jumper V2, c'est parti. Oh, il y a des pics dans les... Oh, il y a des pics dans les piliers. Oh, c'est bâtard. Oh, putain. Moi, j'ai peur de Time Machine V2. Parce que le premier Time Machine, je le déteste. Il met 12 millions de 3 pics, même à la fin. C'est du racisme. Je sens que le mec s'est amusé, c'est sûr. Oh, j'ai pris la pièce. Ok. 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 Oh, c'est dur. Oh, mais mec, il en a mis 40, il en a mis 70, frère. J'irai liker chacun des niveaux remix. Bah, pas celui-là. Le mec, il sait pas quoi faire pour te faire crever, il met que des 3 pics tout le temps, tout le temps, tout le temps. En vrai, il est sympa parce que un vrai 3 pics, c'est dur. Là, il rapproche les pics entre eux pour que le saut soit plus envisageable. En tout cas, cette partie avec l'avion qui est plus intéressante que dans le niveau précédent, enfin, le niveau original. Il fallait... Ok, là, il faut pas prendre l'orbe, il faut sauter. Ok, d'accord. J'aime bien, il y a des mécaniques originales. Et je suis très amoureux de l'esthétique des niveaux originaux de Géométrie d'Âge. Avec juste des pics, des blocs et des structures avec des petits quadrillages, là. Moi, ça me va, hein, des niveaux comme ça. Si le niveau est bon, qu'il a un bon gameplay comme ce niveau-là, pas besoin d'artifice comme Change of Scene ou des trucs comme ça. C'est peut-être parce que je suis un rageux et que je sais pas créer des bons niveaux aussi, hein. Enfin, je suis tellement nul en création de niveaux. Moi, je mets des pics et des blocs, et après, j'abandonne le niveau. Parce que je passe... Parce que je me saoule, je passe à autre chose. Oh, fallait pas le prendre. Oh, mon Dieu. Je trouve que mon temps de réaction est meilleur. Ce jeu améliore mon temps de réaction. Ok, on a one-shot la fin. Ok, bon, les niveaux insane, ça va. Je trouve que c'est la difficulté parfaite, c'est-à-dire que c'est pas trop dur pour que je me mette à galérer un peu à tryhard, mais la difficulté est suffisamment exigeante pour que je passe un bon moment et que je me fasse pas chier. Oh, shit. Oh, fais chier. Allez, on va tous les compter, les 3 pics. Allez, 1, 2, 3, 4... 5, 6. Ok, là j'ai vu les pièges. Wesh, 4 pics. Je vous compte, 7. Oh putain. J'ai l'impression qu'il y en a moins que dans le niveau précédent. Enfin, que dans le niveau original pour l'instant. Hop là. Ok, l'avion est un peu exigeant, mais ça va. Ça va. On est à 7. 8. Non. 8. Non, sale bâtard. Neuf, dix, onze, oh shit, oh shit, oh putain, 12, 13, non, non, putain, en vrai c'est un full sum de mourir sur, de mourir sur un 3 pic à la toute fin. Alors que je les saute tous depuis le début. C'est un peu mal formulé. Il y a plein de mécaniques difficiles dans le niveau qui le rendent plus intéressant, comme les pièges. On est à 13. Non! 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 C'est tellement pas mérité. J'ouvre ma gueule même pas pour me moquer. J'ouvre ma gueule vraiment parce qu'il faut que j'ouvre ma gueule pour la vidéo, mais...
Oh, cette mort de merde! J'esquive des pièges! Je saute des trois pics à la pelle, frère! Mais vraiment à la pelle, même au tractopelle! Et je meurs, mais dans des trucs! Mais personne ne meurt comme ça! Personne! Même Timothée, qui a commencé à jouer il y a 2 mois et qui découvre les Mapax, même lui, quand il arrive ici en practice, il joue pas comme ça. Ah non! On va se calmer et retrouver notre animal totem. 14! 15! Quoi? Fallait encore l'esquiver! Wow, il était dur le dernier avion, putain. 18, 3 pics. Bon, pas beaucoup de tentatives, mais premier niveau où je commence à galérer un petit peu. En vrai, c'est pas trop encore terrible. Cycle V2, il a une étoile de plus. Je pense que je vais m'arrêter à X-Step. On verra si je réussis X-Step. Oh putain, oh, ça commence déjà. Oh, y'a plus que ça. Carrément. Y'a plus que 3 pics. J'ai joué un petit peu à ce level. Je me rappelle les trucs. Ok. J'arrive à ride un peu. Oh, j'ai pris une pièce. Je suis trop fort. Là, faut pas le prendre. Clic pas. Ok, c'est pas mal. Ok, oh, c'est juste plus serré. Là, faut pas le prendre. Oh, j'ai pris la pièce en fait exprès. Attends, mais je suis en train de faire une masterclass, là. Là, c'est la même chose, frère. Oh! Ok. Je me suis entraîné avec l'avion. Je suis trop fort. Ok. Oh. Oh. Ok, faut sauter là, hop, reviens, hop, tac. Ok. Je l'ai one shot, il était génial, mais... Ah non, je l'ai pas one shot, oui, je suis mort au tout début. Ah bah écoutez, c'était beaucoup plus facile que ce que je pensais. 9 étoiles là-dessus, je trouve que c'est beaucoup quand même. Bon, c'est la partie que vous attendiez, évidemment, les niveaux démons. Je pense que la vidéo s'arrêtera à X-Step V2. Même pas sûr de le terminer. 55%, je crois que c'est moi qui ai fait 55%. Mon frère, je pense qu'il a pas fait ça. Ok, ça commence très bien. X-Step, je trouve, c'est vraiment un niveau que j'aime pas trop. Oh, je pense qu'il y a pas beaucoup de gens qui apprécient vraiment ce niveau. Il y a des trucs sympas et tout, mais la musique, déjà, la musique, c'est un très mauvais point. Je la trouve vraiment pas folle du tout. Là, c'est l'avion. Je pensais à juste être plus dur. Ah, oh, ouais. Ok. Pour l'instant, ça va. Tac. Là. Là, ça va être chaud. C'est serré, quand même. J'aime bien ça. Je prends le premier. Ou non, le deuxième. J'ai pris le deuxième. Je tombe. Je vais là. Je remonte ici. Et après, je suppose que je prends l'orbe jaune. Ok. C'est un niveau démon, mais il est clairement plus facile que Deadlocked. Voilà. Et même plus simple que n'importe quel niveau démon du mode officiel. Bon level si vous voulez vous entraîner à des trucs. Si vous voulez vous entraîner avec l'avion notamment. Je trouve que les parties avec l'avion sont très sympas pour des joueurs average. Oh non! J'ai oublié de sauter. Là aussi. Quand je prends le truc là, je descends ici. Là, je reprends ça. Il doit y avoir une orbe ou un truc là. Oh ta gueule! Écoutez, si un jour je trouve... si un jour j'arrive à acquérir un level suffisant pour terminer des extrêmes démons, on n'y est clairement pas encore. Je pense que je referai la même série, mais avec les modes extrêmes démons de tous ces niveaux. Ça peut être très cool. Ouais, il fallait bien que je saute, mais c'était trop tard. Et 3 pics, c'est une chose. 3 pics avec un bump au début à esquiver, ça c'est autre chose. Je pense que ça va pas être évident. En gros, les pics, vous savez pas, mais ils ont une hitbox plus petite que le visuel. Alors que les bumps, c'est tout le bump qui a l'effet de bump. Fallait bien que je ferme ma gueule. J'ai réussi.
Oh, j'ai vu. Tout droit. Let's go! Niveau démon, putain! Wow, bah c'est clairement pas le plus dur. Hein. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. On fera la suite plus tard. Comme ça, je pourrai essayer de vous montrer un maximum de tous les niveaux que j'ai fait depuis le début. Et c'est avec Clutterfunk V2 qu'on va vraiment passer aux choses sérieuses. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah écoutez, like plus abonnement. Hein. Tout le monde vous dit la même chose. Je ne fais pas exception. Je vous dis à très bientôt. Allez, bye! Non, 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 non!